Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année. Nous sommes le 28 janvier 2018, c'est l'heure de vous informer, voici les titres. Mont du Temple et l'heure messianique, l'intitulé d'un livre qui vient de voir le jour aux éditions Lys dans la ville des Coma. L'ouvrage donne une large compréhension de la crise israélo-arabe, et plus spécialement l'évolution des préparatifs de la reconstruction du troisième temple. Son auteur, le frère Billy Nzanzuketajak, nous en dira plus dans ses reportages. Un démenti formel et cinglant du pasteur Léonard Baruti Kassongo concernant les informations qui enflamment les réseaux sociaux. Le berger des Baruti Tabernacle dit n'avoir jamais prédit un quelconque départ du président de la République démocratique du Congo en 2021. Il exige la moindre petite preuve de la part de ses détracteurs. Nous revenons sur le dossier tout à l'heure. Comment les écrits du message du temps de la fin ont-elles passé la nuit du 31 décembre 2017? Notre équipe de reportage au Congo-Brazzaville n'a pas fermé l'œil. Pour s'en rendre compte, elle a fait les tours des différentes églises, les détails complets dans ce journal. Communion fraternelle autour d'un barbecue en plein jardin du jamais vu. L'initiative est signée Lion Voice Tabernacle de Cape Town. Tous les fidèles ont répondu présent. Détail tout de suite. En culture, nous irons à Pointe-Noire à la découverte de Brice Kulungu, un cinéaste congolais œuvrant dans le monde du message du temps de la fin, avec la projection de son film intitulé Les réalités du choix dans la salle des Sweco le 6 janvier dernier. En musique, Moses Mwapanzambi a enfin livré son premier concert de la carrière musicale. L'événement s'est produit le 30 décembre 2017 au quartier Goodwood dans la ville de Cape Town. Nous le verrons. Et puis, une page rose dans ce journal. Le frère John Ikete et la sœur Rose Bututana ont scellé leur amour ce dimanche 21 janvier dans une cérémonie nuptiale qui s'est déroulée à l'église LBTZ Tabernacle de Cape Town. Vous êtes bel et bien sur www.gospelcross.net. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, cette information, à savoir, à partir du 20 février 2018, YouTube ne payera plus pour des vidéos contenues dans les chaînes ayant moins de 1000 abonnés. Mais pas de panique, une alternative sûre est en vue. Une nouvelle plateforme comparable à YouTube vient de voir le jour. On l'appelle Topemi.com. Il fonctionne exactement comme YouTube. Mais la seule différence, Topemi vous offre plusieurs avantages en termes de monétisation de vos vidéos. Vous pouvez faire l'argent avec vos vidéos en ouvrant un compte sur la plateforme Topemi. Ceci pour dire que vous n'êtes plus obligé de ne poster vos vidéos que sur YouTube. Vous pouvez le faire aussi sur Topemi avec la possibilité de bénéficier plus. Visitez les sites de Topemi.com pour d'autres détails. Gospel Cross reviendra dans un reportage complet dans son prochain journal. Le pasteur Baruti Kassongo a opposé un démenti formel sur le propos lui attribué sur Internet, selon lequel il aurait reçu une révélation que le président actuel de la République démocratique du Congo restera au pouvoir jusqu'en 2021. Les réseaux sociaux s'enflamment, les commentaires et les menaces vont dans tous les sens. Regardez ces reportages. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet, comme quoi le pasteur Baruti Kassongo aurait fait une déclaration publique selon laquelle le président de la République démocratique du Congo restera au pouvoir jusqu'en 2021. Faux, rétorquent les concernés dans une courte vidéo publiée dans les réseaux sociaux sur un ton sévère, visage grave, le pasteur de Baruti Tabernacle a formellement démenti et il met au défi l'auteur de cet intox de produire la moindre petite preuve. Je pose un démenti formel aux propos mensongers tenus par cette demoiselle. Lesquels propos n'engagent qu'elle. Je la mets au défi de produire la moindre petite preuve de ses propos. En fait, voici la demoiselle non autrement identifiée dont il est question. Elle aurait propagé la fausse nouvelle qui enflamme pour le moment les réseaux sociaux. La vidéo a été vue plus de 5000 fois sur YouTube avec toute forme de commentaires. Les croyants à travers le monde sont vivement indignés par cette campagne d'intox qui discrédite non seulement Baruti Tabernacle, mais aussi et surtout le message du temps de la fin. Le pasteur Baruti affirme n'être membre d'aucun parti politique. Son travail, c'est de prier pour le pays. Tous les mensonges que vous racontez là, quand est-ce que vous viendrez me demander pardon? Le président de la République du Congo ici ne m'a jamais reçu. Allez à l'internet.
Bongo siko ko kota les. Voyez qu'il m'a reçu, il a fait ceci. Pourtant la bakomiona. Oh! Ayamba kinga ya sala kibo. Qu'est-ce que je ferai de la politique? Na kosala ni na politique. J'ai Jésus. Nazala yes. Ça me suffit. Et koki na ngai. Mitema mabe. Mauvais cœur méchant. Je prie pour mon pays. Je m'arrête là. Pena sukiwana. La prédication est bien claire. Le pasteur Baruti s'inscrit en faux contre toutes les allégations faites contre lui sur les réseaux sociaux. Quant à cette demoiselle, elle est mise au défi de produire la moindre preuve de ses propos. Mieux comprendre la crise israélo-arabe et tout savoir sur le préparatif en cours de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Voilà les deux objectifs majeurs que poursuivent le frère Billy Nzanzu Ketajak à travers son livre intitulé « Mots du temple et leur messianique » publié il y a quelques temps. Suivez ça. Il renferme plus d'une centaine de pages et évoque l'origine du vieux conflit qui oppose les juifs et les arabes, et plus principalement la place de la mosquée, ces lieux longtemps au cœur des tensions qui doit abriter très prochainement l'imposant édifice du troisième temple. Le livre s'intitule « Le mot du temple et l'heure messianique ». Son auteur, le frère Billy Nzanzu Ketajak, propose à ses lecteurs un outil indispensable pour bien comprendre la crise israélo-arabe et surtout s'imprégner sur l'état actuel de l'avancement des travaux de la reconstruction du temple très attendu des Juifs. L'auteur a entrepris de grandes recherches et consulté plusieurs manuels ainsi que des sites fiables de certains médias israéliens. Il a également collaboré avec l'Institut du Temple de Jérusalem, avec qui il entretient des relations depuis des années. L'ouvrage est subdivisé en trois chapitres, tous nourris par des passages bibliques et des citations du prophète William Marion Branham. Nous vous présentons notre livre « Les mots du Temple et l'ère messianique », un livre qui est divisé en trois parties. Nous parlons en premier du tabernacle qui a été construit par Moïse. En deuxième lieu, nous parlons du premier temple érigé par Salomon. Et enfin, du troisième temple, le temple qui sera érigé bientôt sur le mont du temple. Et les travaux seront réalisés par l'Institut du Temple de Jérusalem, une organisation non gouvernementale israélienne qui est basée à Jérusalem. Tous les matériels sont déjà prêts, même les habits des prêtres pour faire les services dans le temple. Et dans le livre, nous avons donné chaque ustensile, son nom, ainsi que même le rôle qu'il va faire dans le temple. Ici, le livre sera disponible et téléchargé gratuitement. Et même sur Gospel Cross, vous aurez le livre. Et les serviteurs de Dieu, chrétiens, de toute tendance, chacun aura à télécharger ce livre sans difficulté. Publié depuis 2015 par la Maison Lys, les livres Mots du Temple et l'heure messianique a été distribué en support CD à plus d'un millier de pasteurs et serviteurs des dieux du message à travers le monde. Très bien structuré, les livres s'étendent longuement à sa dernière partie sur l'accélération des préparatifs de la reconstruction du troisième temple. L'auteur explique que le matériel est bien prêt. Les juifs s'activent nuit et jour. Et tous ont la ferme assurance que l'un de ces quatre matins, leur rêve le plus lointain deviendra une réalité, étant parmi les signes précurseurs de la seconde venue du Seigneur et les retours de la grâce vers les Juifs. Israël demeure sous l'œil très vigilant de l'épouse de Christ. Un livre absolument recommandé à tous les croyants, il est pour le moment à votre disposition partout dans le monde.
un très bel ouvrage qui sera très bientôt en ligne sur notre site à télécharger gratuitement. Après le piratage de notre chaîne principale, Gospel Cross vous invite à vous abonner sur ces deux nouvelles chaînes de YouTube qui vient de mettre en place pour vous permettre de rester informé 24 sur 24 sur les infos du message à travers le monde. Vous trouverez pour les francophones Gospel Cross français et pour les anglophones Gospel Cross English. Les deux chaînes sont exclusivement créées pour vous donner des nouvelles de l'épouse de Christ dans le monde. Comment le 31 décembre a-t-il été vécu par les églises du message du temps de la fin? Nos correspondants à Pointe-Noire ne se sont pas endormis. Ils ont fait la ronde des différentes églises où la plupart ont organisé des veillées de prière accompagnées des services de la Sainte Cène. Ali Bigona et Michael Bananguna pour ce reportage. Chaque 31 décembre, les chrétiens se réunissent pour la célébration de la fête de fin d'année en organisant des veillées de prière dans des églises. À savoir, cette année 2017 fut une grande surprise pour d'autres églises qui n'ont pas pu organiser comme d'habitude leur réveillon. À l'exemple de Rouge Gorge Tabernacle, dont le pasteur Lifoko du Ciel a prononcé les bénédictions avant la fin de l'année, le mercredi 27 décembre 2017, avec un serment intitulé « L'agneau de fin d'année ». Et a promis d'organiser la veille de prière vers la fin du mois de janvier 2018. Je voulais dire ceci, vous êtes à tout de notre veille de fin d'année, j'ai renvoyé ça un peu plus tard. Veillez avec ta souka, il y a voulu même vous prier à maman Nima Fioti. Nous allons le faire le 20 janvier. Bédé Salayaou, le 20 janvier. Mais par contre, c'est sous la pluie du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 que certaines églises ont organisé leur réveillon. Prenons le cas de l'église Soleil Couchant Tabernacle, les Yeux du Jugement Tabernacle, la Cairo Tabernacle, l'Eau du Rocher Tabernacle. C'est à travers les micros de Gospel Cross et leurs correspondants du Congo à Pointe-Noire, agence Beth Nation. Au Tabernacle la Cairo, avec son pasteur, l'homme de Dieu, Paul Nzonzi, il y a découpage du pain, symbole du corps de Christ. Ta Carlos et l'église La Cairoi Tabernacle à Pointe-Noire. Il y a eu des hauts et des bas pendant cette année 2017, mais le Seigneur nous a donné la victoire en toutes choses. À Soleil Couchant Tabernacle avec le pasteur Francis Tinouna, les frères et les sœurs ont entré de manger le pain et de boire le vin. Je m'adresserai à tous les chrétiens que la Sainte Cène, c'est un moment très particulier où chacun essaie de regarder à sa vie comment il a marché avec Dieu durant l'année. Nous ne venons pas prendre la Sainte Cène parce que nous avons peur de mourir. Nous venons prendre la Sainte Cène parce que nous sommes chrétiens et nous devons le faire pour se rapprocher à chaque instant de Dieu parce que tout peut arriver, la mort peut intervenir, mais à la fin de la vie, qui va te recevoir si tu n'as pas Christ? Chez le pasteur Alphonse Mavungo, du tabernacle Les Yeux du Jugement, là-bas nous avons pu trouver une pièce de théâtre sur la sagesse du roi Salomon. Si je peux résumer quelque chose, c'est que l'année 2017 qui vient de passer doit être un enseignement pour mieux entamer l'année 2018. C'est ce qu'on nous a prêché, c'est ce que j'ai retenu. Et enfin, au tabernacle L'Eau du Rocher, chez le pasteur Jean-Philippe Ndombassi, nous avons trouvé des chants de louanges. Là, nous sommes à Chimbamba Aviation. Et s'il y a un message que je peux donner à tous les enfants de Dieu qui sont partout, le temps n'est plus là. Nous avons vu que Donald Trump déjà cherche à... Il a déjà programmé Jérusalem comme un capitale d'Israël. C'est déjà un grand signe pour nous. Donc là où nous sommes appelés à prendre au sérieux tout ce que le prophète nous a dit. Tous réunis autour de la table du Seigneur. Malgré la pluie, l'absence des brebis dans certaines églises, les bénédictions étaient prononcées par chaque berger dans son tabernacle. Michael Bananguna, agent Beth Nation, correspondante, Gospel Cross, Congo, Brazzaville.
Super. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Cape Town. Là, l'église Lion Voice Tabernacle a organisé une belle randonnée consacrée à la communion fraternelle. La délégation, avec à sa tête le pasteur Roger Massanka, a visité tour à tour les 30 décembre la cité de Stellenbosch et les jardins botaniques de Kirstenbosch. Et les jours du Nouvel An, tous se sont retrouvés au parc du quartier Weinberg pour un barbecue en plein jardin. Benny Lumumba nous fait ce reportage. Célébrer les festivités du Nouvel An en famille était le leitmotiv de cette rencontre organisée pour la première fois pendant deux jours par l'église Lion Voice Tabernacle de Cape Town. Tout a commencé le 30 décembre. Les fidèles se sont retrouvés à la résidence de leur pasteur pour l'embarcation. Un grand jour aujourd'hui, après la consécration, les enfants dédiés se sont sacrifiés. Finalement, nous sommes les 30. Nous voulons sortir pour contempler les merveilles de la nature dans une communion. Il n'y avait pas moyen d'organiser l'agapé comme on le faisait au temps public. C'est une communion à bord d'une voiture. Les fils, les frères et sœurs sont là. Donc ce sera merveilleux. Shalom. Deux véhicules ont été mis en contribution pour effectuer ce déplacement. Le pasteur Roger Massanka est en avant-plan pour conduire la délégation. Le convoi prend la direction de la cité de Stellenbosch, située à plus de 50 km de la ville du Cap. Elle est au cœur du vignoble sud-africain et réunit un riche patrimoine architectural et une université africaine active où fut forgé au début du XXe siècle le mot « apartheid ». Arrivés sur place, hommes, enfants et femmes, tous parcourent le lieu. Et se laisse impressionner par des animaux sauvages visibles dans cet enclos. Et quelques temps après, la délégation embarque pour une autre destination. Le jardin botanique de Kirstenbosch, l'un des plus renommés au monde grâce à ses collections et sa situation exceptionnelle. On peut y voir comment la belle vue de la nature surplombe le site. La délégation de Lion Voice Tabernacle contemple avec émerveillement la beauté naturelle de cet espace vert. Et un jour après, nous sommes le 1er janvier. Cette fois-ci, le rendez-vous est pris dans le parc du quartier Weinberg. Un spécial barbecue est organisé sur place et plusieurs familles répondent présents à l'appel. Le moment est à la communion. La grillade est faite par des frères tout comme des sœurs dans une ambiance bon enfant. Et la délicieuse recette est ensuite partagée en toute gaieté sous les arbres. L'initiative a été saluée par tous à la fin de la rencontre et beaucoup se sont dit prêts à revenir encore pour une seconde fois. Génial, merci Benny Lumumba pour ce reportage. Demi-heure des silences Kid a organisé une grande rencontre à Pointe-Noire du 25 au 27 décembre sous la coordination de son fondateur, le pasteur King. Beaucoup d'enfants venant de différentes églises ont pris part à cette rencontre. Suivez ça. C'est par une source biblique tirée d'un Deutéronome 6, 4 à 8 que l'homme de Dieu, le pasteur King, a pu avoir l'idée de créer et réaliser une plateforme dénommée une demi-heure de silence, Kings. Tu connais le nom de la maman de Frère Branham? L'objectif majeur, c'est de canaliser les enfants hors de l'épanouissement avec la musique mondaine. Mon idée est une idée que j'ai très tôt quand je grandissais dans le message et je pensais qu'il n'y avait pas assez d'activité dans le message pour canaliser les enfants. Et cette idée-là a été comme à trouver encore un dynamisme lors de l'anniversaire de ma fille qui a atteint 5 ans
à l'école, lorsque nous sommes rendus, il y a eu de la musique mondaine et tout. Et finalement, même celle-là qui a 2 ans, en rentrant à la maison, elle a commencé à chanter ces chansons-là. D'où je me suis référé au vieux projet que j'avais. Il fallait lancer le projet pour l'éducation des kids. Comme le dit Deutéronome, je cite le verset 7 du chapitre 6. « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Toi, William Marion Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde. Du 25 au 27 décembre 2017, dans la salle de Sueco au centre-ville de Pointe-Noire, la plateforme Une demi-heure de silence et son leader, le pasteur King, a pu rassembler les enfants de chaque coin de la ville de Pointe-Noire. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait des activités comme ça, parce que nous ne voulons pas que nos enfants subissent l'influence de cet âge de Laodicée. Laodicée est vraiment perverse. Laodicée est vraiment ce qu'elle est. Mais nous voulons que nos enfants reçoivent une bonne influence de la parole. C'est pourquoi bon, j'avais vraiment exhorté l'Église, demandé aux parents d'accompagner les enfants ici à Sueco. Venant de 12 églises, croyant le message prêché par le prophète William Marion Branham, sur les 16 consultés. Effectivement, on était parti sur 16 églises du message parce que le budget d'une demi-heure de silence était fixé sur 16 églises qu'on devait prendre en charge sur les marinières et aussi sur l'alimentation. Et donc sur les 16, on a finalement pu atteindre 12. Il y a 12 qui ont participé et à cause des occupations, comme c'est pendant la fête de Noël, 4 églises ont été occupées chez eux. Sinon, on a 12 églises réunies au sein de cette activité. Autrefois, chaque 25 décembre, les enfants étaient éparpillés pour festoyer la dite fête de Noël. Mais cette fois-ci, la plateforme a réalisé sa première édition et les enfants étaient accompagnés de leurs parents. L'opportunité était donnée à chaque enfant de s'exprimer devant une multitude de gens. Le Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Et il y avait des poésies centrées sur le prophète de l'âge, des pièces de théâtre, des interprétations des chants religieuses. Les difficultés, bon, ça on les surmonte, il y en a toujours, mais on a plus senti l'assistance du Seigneur. Et d'ailleurs à la fin ça produit plus de résultats. Donc, il n'y a pas eu de résistance. On a communiqué avec les pasteurs et les pasteurs étaient très d'accord. Et voilà un peu, ils ont ouvert leurs portes. D'ailleurs parmi les enfants qui font des prestations, il y a même les enfants des pasteurs. Ça veut dire qu'il y a eu une bonne collaboration avec les pasteurs. Il n'y a pas eu trop de difficultés. Au finish, les enfants étaient très satisfaits et joyeux de se réunir entre eux et d'avoir brisé les barrières qui se trouvent dans ce message. Avec un slogan, ensemble nous pouvons, divisés nous n'arriverons à rien. Michael Bananguna, agent Beth Nature, correspondante, Gospel Cross, Congo, Brazzaville. En culture, les cinéastes congolais Brice Kulungu, croyant du message du temps de la fin, vient de sortir un film intitulé « Le réalité du choix ». La première projection a eu lieu le 6 janvier dernier dans la salle des Sueco à Pointe-Noire en présence d'un grand public. Ali Bikona et Michael Bananguna étaient sur place. Suivez les reportages. Brice Kulungu, jeune congolais croyant du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, est un cinéaste qui évolue sur un terrain très glissant du message. J'ai commencé à réaliser le film depuis 2010. Depuis 2010 que j'ai commencé la réalisation. Mon premier film que j'ai fait, c'est « Qui es-tu ?» Et la deuxième, c'est « Les réalités du choix ». La nouvelle année 2018 a apporté de nouveau dans le monde des croyants. Occupant la salle de Sueco, en date du 6 janvier 2018, dans un climat tempéré,
Brice Kulungu et son équipe ont fait face devant les frères, sœurs et pasteurs la projection de leur film intitulé « Les réalités du choix ». En fait, c'est toi que je suis venu voir. Moi ? Oui, toi. Je suis allé voir le pasteur. On a eu à causer avec le pasteur. Je lui ai demandé si je pouvais avoir l'accord de venir te voir. Parce que la sœur, vraiment... Je sens vraiment le poids de te fréquenter. Je ne croyais pas au film chrétien, surtout des gens du message du temps de la fin. Je ne croyais pas qu'ils devaient réaliser un tel travail. Mais je suis vraiment satisfait du travail qui s'est passé. J'ai bien vu le film. En tout cas, ça me va droit au cœur. C'est un bon travail. Dans ce film, le cinéaste a démontré que le problème du choix est très capital. Surtout, les réalités des sœurs d'aujourd'hui, qui sont devenues comme des sardines. D'où, les têtes sont restées au Maroc, le corps se retrouve au Congo. Un propos dit par Brice Kulungu. Vraiment étroit. Moi, bête. Oui. Je répète encore, tu es bête. Tu es idiot. Un chien, toi. Il s'avère que d'autres sœurs obtiennent pour le ABC, ce qui signifie A, argent, B, beauté, C, corpulence. C'est parce que moi j'ai en tête. Ah, mais ne me dis pas que tu ne penses pas à te marier, hein. Si, mais pas avec ce genre de frère. En dépit de tout, les difficultés rencontrées sont énormes. Surtout, le manque du matériel adéquat. Difficultés, il y en a pas mal. Déjà, côté technique, on n'a pas vraiment le matériel adéquat. On a un problème de production, parce que chez nous ici, la production des DVD, c'est très cher. Donc du coup, les coûts sont tellement élevés qu'on n'a pas pu faire une belle production ici sur place. Maintenant, il y a aussi un problème des acteurs, parce que quand on n'a pas de fonds, on ne peut pas motiver les acteurs. Donc du coup, ça devient un travail presque bénévole. Les gens ne sont pas assez motivés quand il n'y a pas assez de gains. Donc ça aussi, c'est un point. Donc les problèmes sont multiples, sont vraiment multiples. Mais quand c'est une passion, on s'y met quand même. Brice Kulungu, passionné du cinéma, a fait sa sortie officielle de son deuxième film. Michael Banauna, agent Beth Nesher, correspondante, Gospel Cross, Congo, Brazzaville. Je dis, suite à cette proposition, je dis non. Je n'accepte pas. Mais attends, tu n'as même pas pris le temps de réfléchir? En musique, l'artiste et musicien Moses Mwambanzambi s'est produit à Koudou dans un concert d'Action des Grâces qui a également clôturé l'année 2017. Regardez ça. Comme promis, il était bien au rendez-vous devant une scène bien teintée et une salle VIP. Accommodé pour la circonstance, l'artiste musicien Moses Mwambanzambi a donné son premier concert de la carrière musicale. Les enfants de Dieu sont venus de toutes parts pour glorifier le Seigneur à travers ses concerts d'Action des Grâces qui a également sanctionné la fin de l'année 2017. Il est mon chant, je chante toujours ma vie, toujours ma vie. Il est mon île, je peux. Accompagné d'un groupe aguerri et très professionnel, Moses a parcouru son répertoire riche avec des chants inspirés. Qui ont véritablement accroché le public présent sur place. Après plus d'une heure de louanges et adoration, c'est un Moses Mwambanzambi satisfait qui se confie à notre micro. C'était très merveilleux parce que ça allait être en contact avec le public. C'est différent avec le studio et l'enregistrement. Si vous êtes seul, peut-être en train avec le casque, donc voyez, c'est toujours différent. Et être devant un public et quand il y a le feedback et tout, ça, c'est toujours différent. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui étaient venus. Je crois que c'est
c'était des très bons moments et c'était une bénédiction pour moi aussi personnellement. Et je crois qu'ils étaient aussi bénis par la chanson qui était chantée et la prestation et tout. Il faut noter que plusieurs d'autres musiciens invités étaient aussi de la partie. La soirée s'est achevée dans une grande ambiance qui a fait bouger toute l'assistance. Et puis pour finir, en page rose, le frère John Ikete et la sœur Rose Bututana ont échangé les consentements au cours d'une cérémonie nuptiale présidée par le pasteur Lupanzu Kantumunda à l'église El Bethesda Tabernacle de Cape Town. Plein succès et longévité au couple marié. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Voici quelques rappels des titres avant de se quitter. Le mot du temple et l'heure messianique, intitulé d'un livre qui vient de paraître, écrit par Billy Jacques Nzanzou. L'ouvrage évoque l'origine de la crise israélo-palestinienne et parle des préparatifs en cours de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Le pasteur Baruti Kasongo s'inscrit en faux contre la campagne d'intox menée sur les réseaux sociaux contre sa personne. Il qualifie des mensonges les propos tenus par une demoiselle sur Internet selon lesquels il aurait déclaré que l'actuel président de la République démocratique du Congo restera au pouvoir jusqu'en 2021. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et en culture, le cinéaste congolais Brice Kulungu a présenté son film intitulé Les réalités du choix. La projection a eu lieu le 6 janvier dernier dans la salle des Sueco à Pointe-Noire. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur www.gospelcross.net et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube Gospel Cross français et Gospel Cross anglais. Merci et à très bientôt.